Nous avons une démocratie reconnue au Sénégal. La démocratie devient pour nous une richesse, alors les autres richesses. Pour lui, bien entendu, de votre parcours en tant que jeune. L'élection était devenue une formalité pour pouvoir désigner nos représentants. C'est une élection qui est souvent maîtrisée, en tout cas au niveau de l'organisation, compte tenu de notre expérience. Donc, bien entendu, après ce qui s'est passé le 28 juillet, il est important de revenir sur la question de ne pas seulement mettre l'accent sur les résultats, de ne pas seulement mettre l'accent sur la finalité, mais mettre l'accent, bien entendu, sur ce qui s'est passé pour que ça ne puisse se reproduire. C'est important et je pense que sur cette première question liée aux enseignements pour que vous retirez des scrutins, il est important de faire une évaluation. Je veux rappeler qu'il y a eu énormément d'enjeux par rapport à ces élections. J'ai parlé de cet enjeu lié à notre démocratie. Il fallait maintenir cet acquis démocratique. Mais il y a des enjeux politiques. Le président de la République, qui a été élu pour 5 ans, du point de vue de sa promesse morale, bien entendu, mais du point de vue légal, c'était 7 ans, se retrouve 5 ans après, par une élection, à des élections législatives, s'épuise et bien entendu par rapport aux 2 années qui restent, de subir une cohabitation ou de détenir sa majorité. Donc c'est un enjeu qu'il fallait bien entendu identifier. Il reste entendu qu'aller vers une cohabitation risquait d'influer sur les résultats en 2019. Donc le président de la République était bien conscient du pays. Ces élections étaient très importantes. Il y a un enjeu également lié pour l'opposition, bien entendu, à aller vers des cohabitations, mais pour certaines individualités, on peut noter qu'il y a eu des scissions au niveau du PS, Moukian Fana, Aïdjambou, etc., qui devaient assurer une existence politique à travers ces élections-là, puisqu'ils étaient déjà dans un parti politique et ont voulu démontrer que ce sont des réalités politiques. Nous avons également le cas de l'Aïssan Sandou, l'Aïssan Sandou qui était du PS, du parti est toujours, et bien entendu, Michel Khalifa Sandou, etc., etc. Donc, nous avons tous noté qu'il y avait un enjeu de taille, et c'était important. Bien entendu, que ces élections puissent nous permettre d'avoir une visibilité du champ politique. Et pour cela, il fallait qu'il n'y ait pas de débat sur la légitimité de ceux qui ont été choisis. Parce que, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, on manque d'organisation qui aboutit à des recours en allant dans le sens de demander l'annulation des élections pour nous débat sur la légitimité. Je ne parle pas du taux de participation. Parce que tout dépend des volontés des uns et des autres, et tout dépend bien entendu de l'engagement des populations par rapport à ces élections. Ce qui s'est passé, il faut le rappeler très rapidement. Nous avons suivi tous son processus électoral qui a abouti, moi je le précise. On parle de nous au passé, c'est vrai que le passé c'est pour bientôt, mais nous sommes encore des députés du Sénégal jusqu'à ce que les autres soient installés. C'est ce que la loi dit. Mais nous avons, durant cette législature, énormément assisté à des tentatives de forcing en ce qui concerne le code électoral, en ce qui concerne le processus électoral. Parce que la tradition au Sénégal, c'est une tradition de consensus. Les députés n'avaient pas à trancher le débat politique, les députés devaient valider
Donc, comment ces six travailleurs d'actuelle politique? Donc, la loi électorale se décide et mise en œuvre au bout du temps à travers les discussions entre l'opposition et le pouvoir. On a noté qu'il y a eu des discussions qui ont été enclenchées, bien entendu, il faut le préciser, mais qu'on finisse, il y a toujours des aspects qui ont été introduits, sans qu'il y ait un consensus, et on a demandé à l'Assemblée nationale d'arbitrer, de trancher, tout en sachant d'avance que l'Assemblée nationale comporte une majorité qui fera ce que le président décide. Il y a une structure de processus du processus électoral. Il y a également cette volonté de l'État du Sénégal d'aller vers une refonte du fichier électoral. Il faut que c'est également la refonte du fichier électoral. On a parlé de refonte partielle, mais en réalité, c'est une refonte totale. Et l'initiative de l'État du Sénégal n'est pas de l'initiative des acteurs politiques. Parce qu'on avait parler de stock mort, il fallait éliminer, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'électeurs pour porter le sujet avec plus de 6 500 inscrits sur les listes électorales. Donc, cette initiative a été accompagnée de décisions, en tout cas, les autorités étatiques nous ont rassurés sur ce qui allait se passer, ne vous inquiétez pas, les élections se feront le 4, les élections se feront à date due, il n'y aura pas de problème. Durant tout le processus, nous sommes inquiétés sur la manière dont les dates sont distribuées, sur le timing qui nous reste, sur l'organisation des scrutins, et nous avons à tout moment été, rassurés que tout se passera normalement. Nous avons tous constaté que cela ne s'est pas passé de la manière dont le gouvernement avait prévu que cela se passe. En réalité, on n'a pas pu, beaucoup de Sénégalais n'ont pas pu avoir le cas. Beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, parce qu'on a parlé de 10% de ces montants de cas qui n'ont pas été produits. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas la possibilité d'avoir le cas parce que le cas n'était pas produit. Donc, on empêche à des milliers de Sénégalais de jouir de leur droit civil politique, de jouir de leur droit de vote. Ce qui est inacceptable et ça, tout le monde a pu le penser. Il y a eu, après, la décision du Conseil constitutionnel pour demander à ce que les récépissés soient utilisés pour tout simplement pouvoir voter. Bien entendu, cette décision du Conseil constitutionnel, en pratique, a permis à des Sénégalais de voter, en utilisant le récépissé. Mais du point de vue légal, ça pose problème, parce que nous avons assisté à une décision qui s'est appliquée à tous. Je reviendrai sur ça parce que le dernier arrêt du Conseil constitutionnel parle de décision, d'après la Constitution, qui s'applique au pouvoir public. Mais bon. C'est une décision qui prend la place du droit et on le sait, la loi s'applique à tous, c'est RKOS. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'avis du Conseil constitutionnel transformé en décision pour s'appliquer à tous. Mais ça, c'est un autre aspect qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, donc, cette décision a permis à des Sénégalais de pouvoir voter à travers le CPC. Mais légalement, ça pose problème parce que le Conseil constitutionnel s'est penché sur cette question à titre exceptionnel. Alors que dans d'autres articles de la Constitution, il n'est prévu, ni dans la loi organique prévista le Conseil constitutionnel, qu'il n'est prévu que le Conseil constitutionnel puisse se prononcer à titre exceptionnel et prendre la place du législateur en ce qui concerne la loi. Donc, c'est du point de vue légal, ça a posé problème. Du point de vue pratique, ça a pu régler peut-être certains problèmes parce que beaucoup ont pu, à travers les décisions, ont pu voter et ont véritablement été contents de pouvoir voter parce qu'il y avait énormément de Sénégalais laissés en date. Mais dans la pratique, cela a posé problème.
Certes, certains ont pu voter à travers le CPC, mais nous qui étions sur le terrain, nous sommes à l'époque, effectivement, avec la nature du CPC, où dans les inscriptions, on ne peut pas connaître ni le vote, ni le bureau de vote, on sait dans les votes que les élèves et l'année qui ont pu réfléchir d'aller dans le bureau de vote, on fait la chose pendant des heures, et ils ont pu dire qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas le nombre de ce qu'on passe dans les élèves. Donc ces élèves sont partis, il y en a d'autres qui ont été aidés, mais il n'y avait pas de cohérence dans la prise en charge de cet aspect-là. On a eu des écoles où des responsables du parti politique, munis de coordinateurs, ont été des électeurs, des orientés des électeurs. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour ça. Il y en a d'autres écoles ou d'autres centres de vote où on les organise plutôt pour le dire oui, continuer, etc. Donc il n'y avait pas une décision précise, il n'y avait pas d'accompagnement par rapport à la décision du conseil concerné. Ça pourrait s'expliquer dans le fait que ce n'est pas une loi. Il n'y aura pas de préapplication, etc. Et qu'il ne fallait pas toucher à la décision du conseil constitutionnel pour ne pas réduire sa portée. Il fallait peut-être plaquer cette décision et l'imposer à tout un chacun. Et bien entendu, il fallait du point de vue pratique qu'il y ait des mesures d'accompagnement, qu'il n'y en a pas une. Donc, on a noté cet aspect-là qui est un peu dommage. Et il y a eu également l'utilisation d'énormément de procédés, notamment, disons, certains documents qui, véritablement, on a dit, les primo inscrits, qui devaient donner des documents d'immatriculation. Il y a eu énormément de prêches qui ne permettaient pas à l'opposition aux acteurs de manière générale de pouvoir contrôler ce qui s'est passé ce jour-là. Donc il y a des dysfonctionnements majeurs qui ont conduit à ce que des coalitions puissent véritablement déposer le coup au niveau du conseil constitutionnel. Et récemment, vous avez tous vu, en fait, et certainement au niveau du conseil constitutionnel, qui s'allonge des prérogatives. Bon, en tout cas, personnellement, je m'inquiète contre des prérogatives. Exemple du conseil constitutionnel qui dit que voilà, avoir des décisions. D'abord, le conseil constitutionnel précise que ces décisions sont prises à titre exceptionnel. Ensuite, que ça s'applique à tous, c'est comme une loi. Ça veut dire qu'à terme, on risque d'avoir une jurisprudence qui donne au conseil constitutionnel le pouvoir de décider à la place du législateur et de décider des questions d'importance capitale. Il y a véritablement eu énormément de problèmes du scrutin et tout le processus. Ce qui aujourd'hui vous arrive, nous amène à nous poser des questions sur notre processus électoral. On a toujours dit qu'il n'y a pas de possibilité de fraude. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas le but. Mais fondamentalement, quand on parle d'organisation, il y a eu des dysfonctionnements. Après, on parle d'arbitrage, on se rend compte que ceux qui organisent ont été nommés par le président de la République, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, membre d'un parti politique. Quand on parle d'arbitrage, on parle du conseil constitutionnel. Sept membres, sept juges nommés également par le président de la République, le président de la République lui-même, chef de parti, chef d'une coalition qui a participé à l'élection, ça pose problème en tout cas, et je pense que c'est là pour trouver une façon. Voilà pour vous aujourd'hui, pour terminer, de faire en sorte que l'élection au Sénégal puisse permettre à tout un chacun de recueillir les voix des populations sans aucun problème. Parce que nous avons au Sénégal des rendez-vous. Pourquoi nous parlons toujours du respect du calendrier républicain? C'est un rendez-vous au groupe. Les Sénégalais du premier jour, du dernier jour du mandat, préfèrent de l'année faire. C'est normal, c'est la démocratie, mais pour nous donne l'opportunité de sanctionner positivement ou négativement
Et ça, c'est le possible qu'à travers un processus électoral fiable, à travers les élections fiables.